Bonjour et bienvenue à tous, 104e congrès des maires et présidents d'intercommunalités de France. Monsieur le Président, bonjour. Bonjour. Alors nous voici réunis pour l'ouverture de ce congrès pour lequel l'AMF a choisi comme fil rouge pouvoir agir, la capacité des élus locaux à agir au service des citoyens avec efficacité au quotidien. Pouvoir agir dans un contexte difficile, une actualité complexe. Crise internationale, retour de l'inflation, défis climatiques et énergétiques. Dans quel état d'esprit vous abordez ce 104e congrès ? Vous replacez bien les choses dans leur contexte, effectivement. Et tous mes collègues maires ici présents que je salue, je salue Monsieur le ministre aussi Béchu qui vient d'arriver, nous savons, nous maires, que nous sommes là pour agir, que nous n'avons pas le choix, que nous sommes des praticiens du quotidien, selon l'expression que j'utilise souvent. Notre travail, à 99%, ne se voit pas, ce ne sont pas des postures, des grandes déclarations, etc. Nous devons agir et nous agissons dans un contexte de défis majeurs, le défi énergétique, le défi climatique, le défi civique, le défi économique, le défi démographique, le défi écologique et une crise civique qui nous frappe tous. On est tous absolument effarés de voir à quel point il est nécessaire de redynamiser notre démocratie. Et tout ça, on le vit au quotidien, dans nos villages, dans nos mairies, dans nos métropoles, quelle que soit la taille des collectivités. Alors, le congrès a commencé hier avec la rencontre des élus d'outre-mer. Et jusqu'à jeudi, les maires vont débattre, proposer sur tous les thèmes d'actualité qui concernent les politiques publiques locales que vous portez. Et vous avez vraiment insisté cette année pour qu'il y ait le maximum d'échanges et d'écoute. Oui, on l'a vu d'ailleurs dès hier sur cette journée des Outre-mer que vous évoquiez, avec des témoignages très très forts de nos collègues ultramarins sur des phénomènes notamment de violence à Mayotte, mais pas qu'à Mayotte, en Guyane, aux Antilles, etc. Et la volonté avec l'équipe de l'AMF, que j'ai le privilège, la chance de diriger, je tiens à saluer toute l'implication des élus qui nous accompagnent, mais aussi de l'équipe professionnelle emmenée par le directeur général Eric Verlac, a été de faire de ce 104e congrès un lieu d'échange, un lieu de fertilisation croisée, un lieu de partage d'expériences, un lieu où l'on informe, dénonce, propose pour faire avancer nos communes et avancer notre pays. Voilà, donc on donnera au maximum la parole à vos collègues maires durant tout ce congrès. Et dès cet après-midi, pour la séance d'ouverture, le traditionnel débat d'orientation générale prend une nouvelle tournure avec un temps d'échange avec l'ensemble des congressistes dans cet auditorium. Oui, absolument. Là aussi, la parole sera libre, donc elle sera responsable. Mais des échanges, et comme ce matin, en parlant d'écologie, de défis climatiques, de transition énergétique, de mise en adéquation entre les systèmes annoncés par l'État avec qui nous travaillons et la réalité sur le terrain. Je crois qu'il est très très important, et nous pensons avec toute l'équipe dirigeante de l'AMF, qu'il est très important que les maires et les présidents d'intercommunalité aient la parole pendant ce congrès. Et puis un 104e congrès marqué par une ouverture à l'international que vous avez souhaité. Oui, alors on évoquera le Québec, on évoquera peut-être l'Arménie, mais une séquence forte avec nos collègues ukrainiens, puisque nous avons invité des maires ukrainiens. Je les avais rencontrés pour un certain nombre d'entre eux dès les premiers jours du conflit. Et je crois qu'il est important d'abord de saluer le travail qui a été fait par les maires de France pour accueillir les Ukrainiens, pour envoyer l'humanitaire, aussi de montrer à quel point nos collègues, on dit souvent cette expression, sont en première ligne. C'est vrai en France, c'est vrai en Ukraine, et eux dans des circonstances particulièrement douloureuses, tragiques. Et puis anticiper la reconstruction, nouer des partenariats, faire en sorte que notre ingénierie juridico-administrative, qui est une fierté française, puisse être utile
à la reconstruction en Ukraine, nouer des liens aussi stratégiques, géopolitiques, économiques avec les entreprises locales. C'est tout cela qu'on abordera. Eh bien, on en parlera. Les maires de France sont tournés vers le monde et le monde est tourné vers les maires de France. Cet après-midi, le congrès dans cette salle à Paris et puis aussi le congrès hors les murs, hein, les réseaux sociaux, AMF TV et puis des innovations avec un maire, une solution. Oui, mise en exergue des solutions que nous apportons, montrant aussi, on connaît, on évoquera toutes nos difficultés. On a une double difficulté, une tutélisation financière depuis une quinzaine d'années, des difficultés juridico-administratives croissantes, la bureaucratie qui nous étouffe. Mais montrer aussi les solutions que nous trouvons, montrer aussi les innovations qui émergent et éclosent dans les communes. Et ça sera un maire, une solution avec les témoignages de nos collègues. Merci David Lisnard. Alors on va maintenant rentrer dans le premier débat. Vous l'évoquiez, hein. On vous retrouve tout à l'heure. Merci. Premier débat qui va être consacré à la planification écologique. Agir avec les communes pour une planification écologique efficace. Un débat qui sera organisé ce matin en trois temps. Planification écologique, des objectifs nationaux aux objectifs locaux, prévention des pollutions, prévenir plutôt que réparer, et puis un nouveau modèle de financement et de responsabilité à réinventer. Et pour cela, j'appelle nos coprésidents de séance. Bertrand Hochkorn, vice-président de l'AMF, maire de Marot-au-Prez, c'est une petite commune de 1600 habitants dans le Loiret. Co-président également avec lui, Christian Métairie est le maire d'Arcueil, dans le Val-de-Marne. C'est vous qui animez tout au long de l'année la commission transition écologique de l'AMF. Et pour notre première séquence de débat, nous rejoignent Jean-Marc Jancovici, qui est le fondateur du Shift Project, Guy Geoffroy, le maire de Combes-la-Ville, vice-président de l'AMF, Catherine L'Héritier, maire de Valoir-sur-Cise, dans le Loir-et-Cher, vice-présidente de l'AMF, Carole Delga, la présidente de Région de France, présidente de la région Occitanie, et Christophe Béchu, le ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires. Voilà, madame, messieurs, prenez place. Alors, des changements climatiques qu'on a connus, qu'on a aussi endurés, hein, et encore récemment cet été. Et ce thème, donc, de la planification écologique, politique nationale, politique locale. Je me tourne peut-être pour commencer vers mes coprésidents de séance. Ce mot de planification écologique, pour vous, Monsieur Métairie, qu'est-ce qu'il dit ? Bonjour à toutes et à tous. Je crois qu'il dit un contexte qui appelle des réponses. Et ce n'est pas tout à fait un hasard si c'est la séance d'ouverture traite de ces questions, parce que c'est une question qui est, je crois, très prégnante dans l'esprit des maires et des présidents d'intercommunalité. C'est une question qui est devenue encore plus d'actualité avec cet été, hein, la sécheresse, la canicule, les incendies. Et on sent cette accélération. Et dans ce cadre-là, je crois que, avec Bertrand Hochkorn, nous présidons la commission de transition écologique de l'AMF et on voit à chaque réunion de cette commission une volonté d'être acteur. Alors justement, Bertrand Hochkorn, planification écologique, qu'est-ce que ça évoque pour vous, vice-président, président de l'AMF, mais aussi de cette commission, et puis le maire rural que vous êtes ? Oui, pour nous, c'est important. Je voudrais dire que nous, les maires, il y a déjà longtemps qu'on se pose ces questions-là, mais on sent aussi nos populations qui maintenant sont partantes, alors qu'il y a quelques années, ça traînait un petit peu de pied, donc c'est important. Mais ça veut dire, moi, pour étant sur une commune rurale en bord de Loire, c'est aussi valoriser toutes ce qu'on appelle les aménités rurales, c'est-à-dire tout ce que
la nature peut apporter à nos territoires dans le cadre de la biodiversité. Et puis, on a les problèmes de tout le monde pour nos bâtiments, l'éclairage public. Et puis, on en parlera vers la fin de tout ce qui est la question des financements et des coûts qui ont augmenté. On va parler de tout cela, mais pour recommencer, je vais prendre le micro avec Jean-Marc Jancovici. Est-ce qu'il est besoin de vous présenter, ingénieur, ancien élève de l'école polytechnique? Vous avez fondé en 2010 le Shift Project, une initiative qui œuvre en faveur d'une économie libérée de la contrainte carbone. Vous portez tous ces sujets dans le débat public, des conférences, même récemment une bande dessinée pour faire entendre votre message. Alors, est-ce que la planification écologique, ça appartient à votre vocabulaire? Ça n'appartient pas qu'à mon vocabulaire, heureusement. Je vais peut-être commencer par poser un tout petit peu le cadre de réflexion. Ce qu'on a vécu ces derniers mois, c'est un petit avant-goût du contexte qui va se renforcer et s'amplifier à l'avenir. Alors, qu'est-ce qui est un petit avant-goût? Il y a la sécheresse qu'on a connue, la diminution de production agricole, les forêts qui commencent à brûler là où elles ne brûlaient pas, gonflement, rétractation des argiles qui menacent les infrastructures. On a également vu un stress sur l'approvisionnement énergétique, et il faut rappeler que l'approvisionnement énergétique européen est, comme celui de toutes les nations occidentales, dominé par les hydrocarbures, pétrole, gaz, charbon. Et que Poutine ou pas Poutine, de toute façon, ces hydrocarbures vont être disponibles en quantité décroissante à l'avenir, et climat ou pas climat, du reste, tout simplement parce que les gisements s'épuisent et que le pétrole est passé, pour le pétrole conventionnel, par un pic mondial en 2008, et probablement tout pétrole maintenant, on va dire. En ce qui concerne le gaz, c'est pareil, on a un stress, parce que la mer du Nord décline depuis 2005, Poutine ou pas Poutine. Et le cadre dans lequel les élus locaux vont devoir raisonner à l'avenir, si je le résume avec une expression un peu familière, mais vous me le passerez, c'est de devoir gérer de plus en plus d'emmerdements avec de moins en moins de moyens. Donc c'est ça. Alors justement, c'est ça qui nous attend. Justement, vous dites, selon le Shift Project, que seulement un plan climat local sur 10 a des ambitions équivalentes ou supérieures à celles de la stratégie nationale bas carbone nationale pour 2050. Est-ce que les collectivités locales en font assez? Alors la réponse est non, mais c'est valable pour tout le monde. La FIFA n'en fait pas assez, manifestement. Les citoyens n'en font pas assez. Les politiques nationaux n'en font pas assez. Les entreprises n'en font pas assez. Personne n'en fait assez parce qu'en fait, en faire assez pour le climat, c'est se mettre en ordre de bataille pour supporter une baisse planétaire de 5% des émissions tous les ans. C'est ça qu'il faut faire si on veut limiter le réchauffement planétaire à 2 degrés. Il faut que les émissions planétairement baissent, c'est la physique qui nous l'impose, de 5% par an. 5%, c'est ce qu'on a eu l'année du Covid en 2020. Et il y a une autre année sur le siècle qui vient de s'écouler où on a aussi eu 5% de baisse, c'est 1945, quand l'Allemagne et le Japon ont disparu de la carte des nations industrielles pour un petit moment. Donc on comprend bien qu'aujourd'hui, on n'est absolument pas dans le bon cadre de réflexion, on est beaucoup trop lent. Ce qui veut dire que c'est des régulations qui ne dépendront pas de nous, qui vont se charger de faire le ménage, ce qui ne va pas être très sympathique. Alors, Shift Project, on a, je vais faire comme Hugo Chavez, là, qui brandissait le bouquin de Kempf à la COP, je vais brandir le petit manifeste que j'ai amené avec moi. Nous avons au Shift Project fait un travail qui a été initié depuis un an et demi sur qu'est-ce qu'on peut donner comme conseil à un élu local qui se retrouve face à cette situation d'un approvisionnement énergétique en diminution et de problèmes climatiques qui vont aller en augmentation, quoi qu'on fasse, à cause de l'inertie du système. Et la première recommandation qu'on fait, vraiment la première, c'est de consacrer 1% du budget local. Alors vous allez me dire, c'est beaucoup. Oui, c'est beaucoup. 1% du budget local à comprendre le problème et à acquérir de l'information sur la situation de départ. Parce que toutes les collectivités locales, dans collectivités locales, il y a local. Donc ça veut dire que toutes les situations ne se ressemblent pas. Et entre le village d'Astérix, là, dans les Côtes d'Armor, et une commune de montagne et une plaine de la Beauce, les problèmes sont différents, les activités qui font vivre les gens sont différentes, les possibilités de recourir ou pas à des transports en commun, à de ceci et cela, sont différents. Alors il y a des caractéristiques communes, tout le monde vit dans la mondialisation aujourd'hui. Bon, les vêtements que je porte sont issus de la mondialisation, comme les vêtements de tous les gens qui sont dans cette salle, comme l'acier qui sert à faire les armatures des chaises qui sont dans cette salle, etc. Mais il y a également des particularités locales
et il faut être capable de tenir compte de ces particularités locales. Donc c'est un petit vademécum qu'on propose aux élus, qui est un discours de la méthode, hein. C'est pas du tout faites ceci, faites cela, c'est voilà la façon dont on vous propose de rentrer dans le problème, histoire que vous puissiez prendre plus d'autonomie et plus de recul et plus de capacité d'action. Sur ce qui, le défi énorme qui se trouve. Voilà, ce guide méthodologique qui sera à la disposition de tous les congressistes, vous pourrez l'utiliser. Effectivement, il donne des conseils utiles. Guy Geoffroy, maire de Comble-la-Ville, en Seine-et-Marne, vice-président de l'AMF. Alors, vous présidez aussi le comité législatif de l'AMF, hein, ce nouvel outil de l'association pour préparer les réformes anticipées et faire en sorte que politique nationale et politique locale puissent concorder. On est tous d'accord à peu près sur les objectifs, mais sur les voies et moyens de les atteindre, il peut y avoir des différences. Évidemment, on est tous d'accord, enfin, on s'approche de plus en plus d'un accord sur l'essentiel. C'est toujours le cas dans notre pays, je pense dans toutes les sociétés. Il y a un effet accélérateur des prises de conscience à partir du moment où les drames s'accumulent, viennent en grand nombre nous bousculer dans nos habitudes. Et si il y a bien un domaine dans lequel nos habitudes sont bousculées par l'ensemble des circonstances qui envahissent notre quotidien à partir des grands concepts de transition et de dérèglement climatique, c'est bien ce domaine-là qui nous réunit ce matin. Et donc, la prise de conscience nationale existe, la prise de conscience locale existe, la prise de conscience est de plus en plus forte chez chacun de nos concitoyens, mais je dirais chacun à sa manière. D'où la nécessité d'une planification, mais d'où également les limites de cette planification. Parce que le système d'équations qu'il faut résoudre est complexe, il a beaucoup d'inconnus. Il faut d'abord l'organiser et ensuite tenter de le résoudre et tenter de mettre en place cette belle dialectique qui doit en permanence et de plus en plus fonctionner entre les deux acceptions que sont d'un côté le penser global et de l'autre côté le agir local. Et pour vous, ce mot de planification, justement, vous... Alors, le mot de planification, il est nécessaire, mais il a ses limites. Nécessaire parce que partir dans toutes les directions et faire le strict inverse est trop systématique de ce qui a été fait jusqu'à maintenant, c'est-à-dire laisser libre arbitre à tout le monde de faire, non pas n'importe quoi, mais comme il l'entend, c'est probablement un bon foisonnement d'un côté, mais également une dispersion de l'autre. Donc il faut se mettre d'accord sur les objectifs nationaux. Les consciences y sont de plus en plus prêtes, et c'est l'obligation, et le ministre, bien évidemment, est là pour nous le dire, à S-qualité, c'est l'obligation des pouvoirs publics au niveau de l'État, en relation avec toutes les autres dimensions d'acception de ces problèmes, qu'elles soient européennes ou qu'elles soient mondiales, de fixer des objectifs nationaux et de proposer à chaque acteur territorialement compétent dans le cadre de la subsidiarité qui doit présider à toutes les actions publiques sur notre territoire, hein, de les mettre en œuvre. Donc ces objectifs nationaux, il revient au gouvernement de les porter, de nous les faire partager et de faire en sorte que nous puissions ensuite les mettre en œuvre à l'aune de chacun de nos territoires, en fonction de notre histoire, en fonction de notre capacité à faire, en fonction de notre inventivité, finalement en fonction de ce que nous sommes, hein, parce que nous avons plein de points communs, mais nous sommes tous différents. Alors, justement, si nous combler tous les interstices qu'il nous revient de combler, il faut vraiment laisser à l'agir local cette agilité qu'une planification trop stricte, trop contraignante empêcherait de se mettre en œuvre. Local, hein, vous êtes maire en Seine-et-Marne, hein, Comble-la-Ville, c'est 21 700 habitants. Votre voisine, Catherine L'Héritier, elle est maire dans le Loir-et-Cher, elle préside d'ailleurs l'association départementale des maires du Loir-et-Cher, et votre commune de Valoir-sur-Cise, c'est 2400 habitants. Alors la planification à l'échelle locale, pour vous et pour vos collègues, le chemin peut paraître parfois difficile, me disiez-vous quand on préparait ce débat.
Tout à fait. Moi, je peux témoigner, effectivement, en tant que maire d'une petite commune et présidente d'une association d'un département rural, il est certain qu'il faut un cadre, qu'il faut une planification. Cela dit, les communes, elles, et les maires, sont confrontées au comment et sont confrontées à la question du local. C'est-à-dire que le maire, lui, il va porter les conséquences de ces décisions qui auront été prises et leur mise en musique à l'échelon local. Et moi, je voulais témoigner aujourd'hui aussi un petit peu du sentiment que peuvent avoir un certain nombre d'élus locaux, notamment dans des petites communes. C'est un petit peu le sentiment, non pas qu'on est aujourd'hui sur un dispositif ascendant, mais bien sur un dispositif descendant. Ils ont un petit peu le Vous voulez dire descendant du national au local, de Tout l'État aux collectivités. Voilà. Vous aimeriez plutôt qu'on parte des propositions que vous pouvez porter avec l'application de certaines politiques qui sont compliquées pour vos collègues aussi, la complexité à gérer. Tout à fait, c'est une complexité à gérer, mais il faut que les communes aient la possibilité d'adapter ces règles à l'échelon local, de pouvoir les hiérarchiser, comme le disait mon voisin, en fonction des réalités locales. Je pense que si on se détache des réalités locales, on arrive à une difficulté à accepter ce que sont les règles qui découlent des conséquences de la préoccupation, des préoccupations environnementales. Et ces règles, bien évidemment, qu'il faut pouvoir les mettre en œuvre, mais pouvoir les adapter. Donc ce que nous demandons à l'échelon des communes, et c'est une démarche qui a été faite d'ailleurs par l'ensemble des présidents d'associations de maires de ma région, c'est de trouver de la souplesse. C'est-à-dire qu'on n'ait pas des dispositifs comme les SRADET, je pense que ça parlera à nos collègues qui sont dans la salle, qui soient trop normatifs. C'est-à-dire qu'on puisse, à l'échelon de nos communes, avoir une marge de manœuvre et avoir des leviers pour adapter à nos territoires toutes ces orientations. Alors concrètement, vous évoquez à l'instant les SRADET, les schémas régionaux d'aménagement pour le développement durable, mais c'est les questions effectivement d'aménagement, d'urbanisme, et puis on va prononcer l'acronyme ZAN, ces fameuses zones non-artificialisation, et donc la nécessité pour vous d'adapter un dispositif, de pouvoir aller vers cette sobriété foncière avec les difficultés qu'expriment vos collègues. De toute façon, je pense que personne ne disconvient de la nécessité d'atteindre cette sobriété. Par contre, c'est vrai que le ZAN est un dispositif extrêmement rigide et je pense que peut-être notre ministre l'évoquera tout à l'heure et nous avons demandé que les décrets d'application de ce texte puissent évoluer. On a vraiment besoin sur les territoires de temps, mais aussi de possibilités d'adaptation des dispositifs en fonction des réalités locales. Je pense que c'est vraiment le maître mot qu'il faut retenir. Et que chaque dispositif, qu'il soit à l'échelon régional, qu'il soit à l'échelon des SCOT, qu'il soit à l'échelon des intercommunalités, permette à chaque fois d'avoir une marge de manœuvre d'adaptation et qu'on permette à chaque commune d'avoir une capacité à construire et à développer son territoire. Politique foncière, politique énergétique, prévention des pollutions, on abordera tout cela ce matin et vous pourrez poser vos questions. Il y a un espace pour les questions. Tout à l'heure, David Lisnard insistait sur la nécessité de cette écoute et de ce témoignage des difficultés que vous rencontrez, mais aussi de vos propositions. Et viendra le temps des questions. Il y a un espace qui est prévu. Voilà, on le montre avec ce micro qui attend votre expression. Mais on continue. Vous évoquiez à l'instant les SRADET et donc le rôle des régions. Et là, je me tourne vers Carole Degas, la présidente de Région de France, présidente de la région Occitanie. On voit effectivement, quand on parle de planification écologique, de défis climatiques, que la maille régionale, ce niveau de politique publique est central aujourd'hui. Oui, bonjour à toutes et bonjour à tous. On doit être conscients tous de l'urgence à agir. Nous devons vraiment agir pour essayer d'enrayer ce réchauffement climatique qui a des conséquences catastrophiques, comme cela a été rappelé par Jean-Marc Jancovici. Mais nous devons vraiment être en complément et en PAC.
Et c'est vrai qu'il y a différentes échelles. Tout d'abord, il y a une échelle européenne. Il faut absolument rappeler la nécessité d'avoir des politiques beaucoup plus ambitieuses à l'échelle européenne pour transformer notre système de développement, pour aller vers plus de sobriété. L'ensemble des présidents de région, nous demandons un choc de l'offre ferroviaire sur le continent européen. Et nous demandons bien sûr que la France en fasse partie, c'est-à-dire qu'il y ait sur les 10 prochaines années 100 milliards d'investissements sur l'offre ferroviaire avec des crédits européens, des crédits de l'État augmentés, des crédits bien sûr des régions, parce que à travers les transports collectifs, nous avons un vrai effet levier. Et pour les communes qui sont desservies par des gares, c'est également un service supplémentaire. Nous devons, sur la question des transports, aller là aussi vers le véhicule vert. Et nous devons accompagner nos concitoyens, parce que quand on est maire, je suis encore conseillère municipale de la commune où j'ai été maire, eh bien, tout le monde n'a pas à proximité un chemin de fer. Et nous devons faciliter l'accès aux véhicules électriques, aux questions du covoiturage, aux questions aussi sur les mobilités pour favoriser, par exemple, l'écart. D'avoir mobilité et puis aussi politique énergétique qui sont liées d'ailleurs, comme oui, vous le dites. Oui, mais sur l'écart, juste, je voudrais quand même avoir le ministre à côté. Il faut quand même rappeler qu'il est nécessaire d'avoir des voies réservées. Si on veut inciter nos populations à prendre des transports en commun qui ne sont pas à ce moment-là le train, quand il n'y en a pas, eh bien, si on veut prendre à ce moment-là l'écart, il faut avoir des voies réservées parce que pour rentrer dans les agglomérations et être dans un car et avoir tous les inconvénients des bouchons, ça n'a aucun intérêt. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment avoir des solutions très opérationnelles. Il y a la question aussi de la rénovation énergétique, où il faut des moyens, où il faut la politique du colibri, c'est-à-dire dans les 36 000 communes, aider fortement, et c'est ce que les régions de France font, aider fortement les communes, les intercommunalités à rénover leurs bâtis, parce qu'à travers la rénovation énergétique, on concilie et pouvoir d'achat et protection de l'environnement et soutien à la filière du bâtiment. Il y a la question aussi de la consommation foncière. Et là, nous partageons Régions de France et Association des maires, et nous y travaillons avec David Lisnard. Nous partageons la nécessité du zéro artificialisation nette, mais en ayant plus de temps pour l'expliquer, pour l'adapter, en ayant également un décret qui soit quand même plus souple et plus opérationnel, et puis également qu'il y ait une solidarité nationale pour les grands projets, c'est absolument indispensable. Et puis, il faut développer la question localement des énergies renouvelables, parce que la politique nucléaire est à l'échelle d'un pays. Le président de la République a expliqué l'investissement qu'il souhaitait de nouveau mettre en place sur la filière nucléaire, et nous sommes pour le mix énergétique, mais il faut développer les énergies renouvelables. Il faut avoir le courage de mener ce sujet. En tant que présidente de la région Occitanie, il y a de ça 5 ans, j'ai défendu l'éolien flottant en Méditerranée de façon forte, et bien en ayant un travail de pédagogie, d'explication avec les pêcheurs, avec l'ensemble des acteurs de la mer, et bien on a vraiment de façon très claire une adhésion. Mes opposants politiques, il y a de ça 18 mois, quand je me suis représentée au régional, ils en faisaient leur fer de lance d'être vraiment opposés complètement à l'éolien flottant. Eh bien, la population a validé cela. Donc, il faut avoir sur des échelles européennes, sur des échelles, bien sûr, nationales et des échelles régionales, puisque maintenant, nous avons quand même des grandes régions, avoir des politiques d'énergie renouvelable, de mix énergétique qui soient fortes, un investissement sur les transports collectifs, mais en même temps concilier une adaptation sur les territoires, parce que en effet, en Occitanie, les questions de déplacement, les questions climatiques ne sont pas les mêmes sur le littoral, le littoral méditerranéen ou dans les Pyrénées. Harmoniser les politiques publiques à chaque échelon et aussi à chaque territoire, mais les mettre en musique par rapport à une politique nationale. Et je me tourne vers Christophe Béchu, le ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires.
qui, il y a encore quelques mois, était maire, hein, et maire d'Angers, il faut le rappeler. Monsieur le ministre, on voit bien la dynamique qui se crée autour de la planification, mais ce qui pose question, c'est la méthode, les engagements de la France. On évoquait la dimension européenne, la dimension internationale, hein, mais aussi cette question d'harmoniser et puis de savoir quel est le cap de cette planification. Très bien. Alors, d'abord, à l'échelle mondiale, on ne va pas s'arrêter là-dessus parce que ce n'est pas le sujet principal de cette table ronde, mais on a évidemment un sujet, c'est qu'on a des émissions qui continuent à augmenter alors que tout le monde sait qu'elles devraient baisser, et c'est la seule décennie qui peut nous permettre de maintenir la progression de ce réchauffement climatique à des niveaux qui ne nous font pas exploser nos modes de vie, pour reprendre une partie de ce qui a été dit. La barre du 1,5 ou du 2 degré, elle est cruciale parce que chaque dixième compte, mais qu'ensuite le coût de l'inaction ou le coût de l'adaptation, il est proportionnel au coût du dérèglement. Il n'est pas proportionnel au coût du dérèglement, il est exponentiel au fur et à mesure qu'on avance. L'Europe, c'est le seul continent, à la minute où on se parle, qui a commencé à baisser ses émissions. Mais même nous, en ayant doublé en France la baisse des émissions dans le dernier quinquennat, il faut qu'on aille deux fois plus vite que ce qu'on a déjà fait. Avec deux ou trois leviers, mais un dont je suis évidemment venu parler ce matin. D'abord, c'est effectivement le cap et comment on y va, parce que vous ne pouvez pas, compte tenu de l'ampleur du besoin de décarboner notre économie, de changer nos modes d'énergie, uniquement miser sur la main invisible ou sur le fait que tous les acteurs vont le faire par magie. Il y a tellement de rentabilité à court terme dans le fait de prendre des directions qui sont néfastes pour le climat, mais qui continuent à être encouragées à court terme, qu'il y a besoin d'aller poser des règles et d'avoir une vision claire. Et je vais donner un exemple pour que chacun comprenne la nécessité de la planification. Il y a un consensus absolu sur le fait qu'il y a un réchauffement climatique, quasi absolu sur le fait qu'il est lié à l'homme, et quasi absolu aussi sur le fait que la principale source de contribution à ce réchauffement, c'est les énergies fossiles. Sortir des énergies fossiles, c'est par exemple, puisque les transports sont une part importante de l'équation, abandonner la voiture thermique pour aller à la voiture électrique. Mais ça, si vous ne le planifiez pas, ça ne marche pas. Parce que les véhicules, il faut les fabriquer. S'ils sont fabriqués dans des usines chinoises avec du charbon, ça ne règle pas le problème. Si on ne se pose pas la question de la taille moyenne des véhicules et donc de leur empreinte, de l'énergie qu'il faut pour être capable de les produire, vous réglez une partie du problème, mais pas tout. Si vous n'avez pas les bornes, mais que vous avez les véhicules, ça ne règle pas le sujet. Et si vous ne vous demandez pas comment vous gardez une liberté d'aller et de venir, vous provoquez des crispations, des tensions ou des révoltes des habitants auxquels on n'offre pas de solution. Faire ça, ça ne peut pas se faire en un claquement de doigts, et ça nécessite de mettre tout le monde autour de la table, les industriels, les territoires, et d'être capable d'associer les dispositifs. Une fois que j'ai dit ça, il y a ce qui relève de cette planification. Mais la vérité, c'est que s'il y a un ministère qui s'occupe en même temps de transition écologique et de cohésion des territoires, c'est parce que la clé de la réussite, c'est aussi d'associer ceux qui sont en première ligne. Alors, et justement, c'est très exactement le cas des maires. Je me contente de cet exemple sur le transport. Si je dis demain qu'on fait un plan vélo, super, crucial, c'est en plus un des leviers essentiels pour être capable de conjuguer santé, climat, pouvoir d'achat. Mais si les pistes cyclables ne sont pas dessinées, quelle que soit l'ampleur de l'aide que vous allez faire sur l'acquisition vélo assistance électrique, s'il n'y a pas une politique de proximité qui suscite cette continuité, vous passez à côté de l'objectif. Et s'il y a des voies express pour les autocars de la région Occitanie, ça marche aussi. Ça marche très bien, mais ça relève des collectivités locales. Le sujet, c'est comment on leur donne les moyens pour agir. Je parle évidemment d'un point de vue budgétaire. Comment on assure le fait qu'il puisse y avoir la sensibilisation ou la formation qui permette de ne pas prendre les mauvaises directions quand on investit. Et comment on partage des idées. Et ce sont les trois choses que je suis venu dire et faire aujourd'hui. Un, annoncer que nous mettons en place, à compter du début du mois de janvier, une formation pour tous les maires de ce pays. Évidemment pas obligatoire. J'ai trop de respect pour la libre administration des collectivités territoriales et je sais que des quantités de maires ont déjà lancé des choses de ce type. Mais on va utiliser les préfectures et les sous-préfectures pour y accueillir des temps de formation, pas ésotériques, très concrets. Météo France, l'ADEME, l'Office français de la biodiversité, pour documenter, y compris avec des cartes, ce qu'est déjà le réchauffement climatique dans le territoire. L'évolution des constantes sur 15 ans, le partage de solutions, le témoignage des pompiers sur les mesures qui sont à prendre,
les discussions avec des maires qui ont déjà entrepris des actions qui permettent d'aller dans le bon sens, de création d'îlots de fraîcheur, multiplier ces échanges de témoignages. Deuxième volet, les 2 milliards d'euros du fonds vert pour la seule année 2023. Alors, on y viendra peut-être ensuite. Mais le troisième peut-être... volet, je ne résiste pas, mais après je répondrai aux questions. J'ai entendu David Lisnard évoquer le « un maire, une solution ». Il se trouve que sans s'être concerté, nous allons lancer le même type de choses dans un peu moins d'une heure. Un site internet qui s'appelle « La France des solutions » et qui va inviter tous les maires qu'ils souhaitent à partager des expériences d'innovation ou d'expérimentation qui ont fonctionné et à pouvoir trouver sur ce site des idées de d'autres maires qui, ailleurs en France, confrontés à un problème. Ça peut être évidemment un sujet de transition écologique, mais ça peut être une question d'urbanisme, ça peut être une question de solidarité, ça peut être une question de sécurité. Avoir une banque de solutions pour ainsi insister que sur nos territoires, sans attendre des décrets, sans attendre des lois, il y a une innovation et une somme de choses que nous faisons sur lesquelles il faut déjà qu'on puisse s'appuyer pour accélérer dans plein de domaines. Et puis des lois à appliquer. Gardez un instant le micro parce que Catherine L'Héritier évoquait le ZAN. Et quand la loi est là, elle est parfois difficile à appliquer. Et même le ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires le reconnaît. Au début du mois d'août, j'ai demandé au préfet de lever les stylos et de ne pas appliquer des décrets dont l'AMF m'a démontré le caractère parfois absurde de certaines rédactions, comme par exemple le fait que des parcs et jardins en ville pouvaient être considérés comme des espaces artificialisés, alors qu'on sait que pour préserver la biodiversité, il faut qu'on s'assure d'avoir des corridors de ce type. Je veux dire deux choses de manière très simple. Chaque heure qui passe, chaque heure, en moyenne, dans ce pays, nous artificialisons l'équivalent de 5 terrains de football. C'est moins qu'il y a 10 ans, mais ce sont des proportions qui sont totalement incompatibles avec ce qu'on évoque en termes de lutte contre le réchauffement climatique. Préserver des espaces naturels, c'est préserver des espaces de stockage, c'est préserver des lieux de production agricole si on doit relocaliser une partie de tout ça pour s'habituer à vivre avec d'autres échelles. Et puis, de manière très simple, quand vous pensez qu'on a 4 fois plus artificialisé que par le passé sans gagner davantage de population, c'est un rythme qui nous emmène dans le mur en termes de réchauffement tout court. Maintenant, comment on fait? Parce qu'une fois qu'on a posé le principe, tout le monde est d'accord. Mais à partir du moment où on dit on va diviser par deux, tout le monde explique que ça n'est pas tenable. Avec toujours plein de bonnes raisons. L'objectif, il sera tenu parce que aller vers l'artificialisation nette, sans gain de population, c'est le seul moyen de conserver des espaces pour reconstituer les nappes phréatiques, pour faire en sorte qu'on ait effectivement ces espaces d'îlots de fraîcheur. En revanche, nous assouplissons le dispositif qui était trop automatique dans la forme. Il y a une partie pour les grands projets, éviter que des territoires qui font Seine-Nord Europe ou qui accueillent des LGV, on leur dise, puisque vous allez enfin avoir des moyens de désenclavement ou de décarbonation d'une partie de vos transports, vous ne ferez rien d'autre à la place. Ce n'est pas possible, ce serait la double peine. Déjà, ils ont attendu pendant longtemps et en plus, ça priverait d'une capacité d'urbanisation. Donc, on va faire des comtés à part nationaux. Et à l'autre bout de l'échelle, c'est vérifier que les plus petites communes de ce pays ne sont pas la variable d'ajustement d'une politique de lutte contre l'artificialisation et qu'en gros, on dit on ne va plus rien faire en ruralité, alors même qu'on a de plus en plus de concitoyens qui souhaitent revenir à une vie proche de cette ruralité. Il faut donc qu'on ait une garantie rurale dans le dispositif qui préserve, à l'autre bout de l'échelle, des territoires qui sont des territoires vivants et qui sont indispensables. On aura l'occasion, dans quelques jours, de présenter les contours de cette nouvelle version. Donc les préfets ont levé le stylo et maintenant il s'agit de nouvelles rédactions, si je comprends bien. La semaine dernière, pour être très clair sur la méthode, quand on m'a présenté ces absurdités, j'ai demandé au réseau des agences d'urbanisme de travailler avec des communes de différentes tailles et de passer en revue tous les éléments des décrets, en leur demandant de nous rendre une copie pour le 20 novembre. Elle est donc arrivée juste avant le week-end, avec les propositions d'évolution du décret qu'on est en train, avec les services, de regarder. Et je le redis, c'est pour le coup une proposition conjointe des communes et de la Fédération nationale des agences d'urbanisme qui dépend des collectivités ou des intercommunalités. Et dans les tout prochains jours, on aura l'occasion de dire ce que nous retenons de ce travail et de rééchanger avec l'AMF avant la parution des décrets pour être absolument certain qu'on fait les choses dans le bon ordre.
Guy Geoffroy, monsieur le président du comité législatif de l'AMF, là. C'est aussi ce que vous évoquiez, une politique ascendante plutôt que descendante. Je rappelle que vous pouvez participer à ce débat aussi, nous faire part de ce que vous vivez dans vos communes, vos intercommunalités, les difficultés que vous rencontrez, mais aussi des propositions, les réussites que vous avez. Il y a un espace pour les questions de ce côté de l'auditorium. Donc n'hésitez pas à aller vers le micro. Ce congrès est le vôtre. C'est l'expression de tous les maires de France. Guy Geoffroy. Oui. Merci d'évoquer bon, ce qui pourrait paraître totalement extérieur à notre sujet, mais c'est vrai que lorsque, il y a un peu plus d'un an, notre président a souhaité la création de ce comité législatif et réglementaire, ce n'était pas pour créer un machin de plus, pour faire plaisir à je ne sais qui, c'était tout simplement pour faire en sorte que nous nous tenions prêts, parce que nous le souhaitons, et quelquefois nous faisons plus que le souhaiter, à agir très tôt, très très en amont sur tout ce qui peut faire œuvre législative ou réglementaire, à être aux côtés de ceux qui sont les législateurs et donc les producteurs d'outils législatifs, en particulier le gouvernement, et à veiller à ce que ce qui est voté soit effectivement mis en œuvre. On est ici autour de la table quelques parlementaires qui avons dans notre vie nationale passée mesuré combien il y avait d'énormes écarts entre l'intention, ce qui en découlait en termes de loi et la manière dont c'était mis en œuvre ou pas mis en œuvre ensuite. Hein, et donc il y a véritablement là une nécessité. Et parmi les premiers travaux que le comité législatif s'est proposé de mener, au contact, bien sûr, et en appui de toutes les commissions et groupes de travail de l'AMF, il y a le vaste chantier de la décentralisation, hein, les fameux trois petits dés de la loi 3D que nous voulons transformer en trois grands dés, décentralisation, déconcentration et différenciation. Et il y a également la volonté d'être autant que possible concret, utile, dans le dialogue dont le ministre vient de rappeler qu'il était à l'ordre du jour, sur la nouvelle mouture, la nouvelle rédaction des décrets ZAN. Donc notre comité législatif et réglementaire sera un des outils de l'AMF aux côtés du gouvernement pour faire que ces décrets soient tout simplement utiles à la cause sur laquelle nous sommes tous d'accord. Bertrand Schorn, monsieur le coprésident de la commission de transition écologique de l'AMF. Oui, merci de me redonner le micro. Je voudrais dire, j'ai entendu avec plaisir qu'on allait proposer facultativement des formations aux maires et aux élus locaux pour parfaire la transition écologique. Et c'est une bonne chose, parce que c'est pas parce qu'on est maire qu'on est omniscient, je le sais pour moi-même. Je voudrais aussi, par contre, dire que même dans les petites communes, il est très important de planifier notre transition écologique au niveau local, même pour beaucoup de petites choses. Dans ma commune, on s'est lancé dans un agenda 2030. On vient de valider ceci, une 45 fiches de projets. Mais ça nous permet de coordonner toutes ces actions, de regarder la potentialité financière, parce que le risque, c'est d'accumuler des bonnes intentions qui débouchent finalement sur du négatif. Donc vraiment, j'encourage tous nos collègues ici à réfléchir à ce problème-là. Et dans ce type de démarche, non seulement il faut associer le conseil municipal, mais plus largement des groupes de citoyens qui sont prêts à travailler sur le domaine, parce qu'il faut obtenir aussi l'acceptabilité de nos concitoyens, mais plus la désirabilité, et les encourager à aller dans cette direction, d'aller avec nous pour la transition écologique au plus près de chez eux et dans nos communes, dans nos villages. Christophe Béchu, donc cette pédagogie à faire, mais aussi tout à l'heure vous avez évoqué rapidement les moyens derrière la pédagogie, les moyens de faire, c'est le fonds vert en particulier, d'autres outils. D'abord pour répondre de manière très claire, nous appliquons ce que nous croyons, c'est-à-dire l'intérêt qu'il y a d'abord d'avoir vérifié qu'un truc marche. La formation en question, elle a été testée dans un département qui est le département de l'Indre, 241 communes. Il y a 251 élus municipaux qui sont passés dans le cadre de cette formation. Et donc, sur un modèle dont on a aujourd'hui un retour, parce que ça crée une émulation, ça crée une prise de conscience, ça accélère des décisions locales et ça permet ensuite d'avancer. Je ne vais pas m'engager sur le fait qu'on puisse aller former tout le conseil municipal. L'ambition, c'est de pouvoir la proposer à 30 000 maires dans les 2 ans qui viennent. Ça fait déjà un peu de volume et ça permet déjà d'organiser les choses en partant du principe qu'on en a certainement
au moins 20% qui ont déjà conduit des formations de ce type ou qui les ont déjà initiées à l'échelle de leurs équipes. Ensuite, évidemment, il y a la question des moyens. Et les moyens, c'est la question des moyens budgétaires. Quand j'entendais Jean-Marc Jancovici dire que finalement, avec la transition écologique et en particulier avec la contrainte énergétique, il allait falloir que les maires s'habituent à devoir faire avec moins et face à de plus en plus de contraintes, je suis convaincu qu'il y a des gens qui se sont dit dans cette salle, ça on connaît déjà, c'est ce qu'on fait de manière générale avec le Covid, avec la hausse des coûts, avec l'inflation, et c'est même le quotidien de maire d'avoir en permanence des gens qui vous demandent des trucs avec un niveau d'agressivité et d'exaspération qui s'est singulièrement accru depuis 2 ans, mais qui correspond à une réalité. Nous, l'idée, c'est de dire on va mettre des moyens, mais on va les mettre de manière simple avec le retour d'expérience d'un élu local. 2 milliards d'euros de crédits nouveaux. Pas d'appel à projet. Pas d'appel à manifestation d'intérêt. Pas de formulaire avec 3 clauses à remplir. 2 milliards qu'on répartit à l'échelle des préfectures et un dialogue direct à partir d'un principe simple. Toute action favorable à l'adaptation au changement climatique, à la préservation de la biodiversité ou à la diminution des émissions, c'est aider. Vous plantez des arbres, c'est aider. Vous enlevez du bitume dans votre cour d'école pour faire en sorte de créer un îlot de fraîcheur, c'est aider. Vous changez les ampoules de vos lampadaires pour aller mettre du LED au lieu de mettre des ampoules thermiques pour diminuer votre facture, c'est aider. Vous faites de la rénovation sur un bâtiment, c'est aider. Vous êtes une commune littorale, vous avez un problème d'érosion de traits de côte, c'est aider. Je pourrais multiplier les exemples, mais je pense que c'est simple. Alors des exemples peut-être qu'on va en entendre avec ceux qui sont déjà dans l'espace des questions. Allez-y, c'est à vous présenter s'il vous plaît. Bien, bonjour, je suis Florence Presson, je suis adjointe au maire de Sceaux. Rapprochez-vous du micro s'il vous plaît. Oui, bonjour, je suis Florence Presson, adjointe au maire de Sceaux et je suis copilote du parcours de rénovation énergétique sur Grand Paris, Grand Est. Je ne vais pas vous parler des difficultés, voire des impossibilités de massification de la rénovation énergétique performante des logements. Nous sommes entre nous et nous le savons. En revanche, je vais vous présenter les mesures que vous, au niveau du gouvernement, vous pourriez mettre en place ou renforcer pour soutenir les maires courageux et permettre aux citoyens de ne pas avoir à choisir entre se nourrir ou se chauffer. Premièrement, l'accompagnement des citoyens. Vous avez mis en place le SAR, le service d'accompagnement à la rénovation énergétique. Fin 2023, cela s'arrête. Est-ce que vous avez prévu de le prévoir en ligne d'investissement sur le budget de façon à pérenniser cet accompagnement? Deuxièmement, pour les artisans, nécessité de simplifier les processus d'administration administrative de la labellisation RGE. Grand Paris Grand Est, 1500 artisans, 130 RGE. Réglementer un tarif matériaux, l'État pourrait très bien effectivement définir un prix plancher et permettre aux artisans de pouvoir bénéficier de ce prix plancher. Faciliter et financer les plans de conversion des entreprises de l'économie carbonée vers les métiers du bâtiment. Enfin, sur la partie financement, majorer les montants de MaPrimeRénov et les C2E. On sort des mesurettes, il faut réellement des mesures importantes. Rénover une maison pour qu'elle soit performante, c'est 800 euros le mètre carré. Permettre l'utilisation du fonds de garantie que vous avez mis en place pour les co-PTZ et que vous avez étendu aux PAR, aux préavances rénovation, il faut absolument le mettre en œuvre pour des banques, comme par exemple la banque coopérative LANEF, qui développe un éco-prep qui permet effectivement de pouvoir bénéficier de cette garantie. Alors la balle est entre vos mains, à votre disposition, à la disposition de l'ensemble des maires courageux qui ont réellement mis en place un parcours de ce type pour approfondir ces points. Merci beaucoup. Merci. On va prendre une autre question, je crois. Monsieur le maire de Pontarlier, c'est vous ? C'est bien ça ? Je vous reconnais. Allez-y. Merci. Monsieur le ministre, plus qu'une question, c'est un témoignage et j'apprends avec plaisir qu'il y aura une nouvelle écriture du décret concernant le ZAN.
Je voudrais simplement témoigner d'injonctions contradictoires que nous avons à vivre sur le terrain entre les différents schémas que nous devons mettre en place, les différents plans PCAET, SCOT, ZAN. On arrive à des injonctions contradictoires puisqu'on risque d'avoir l'objectif inverse de ce qui est recherché par tout le monde et qui n'est pas remis en question, c'est l'éloignement finalement des lieux de travail et des lieux d'habitation. Si nous contraignons de manière arithmétique la constructibilité sur certaines zones qui possèdent la densité économique, la densité artisanale, la densité commerciale, et que nous éloignons les zones de vie de ces employés qui travaillent dans ces structures, eh bien nous allons avoir une multiplication des déplacements. C'est un exemple. Lorsque nous avons des collectivités qui ont été vertueuses dans leur consommation d'espace et qui se retrouvent aujourd'hui finalement sanctionnées par une diminution par 50% de ce qu'elles n'ont pas consommé, alors que d'autres qui l'ont été un peu moins, je ne porte pas de jugement, bien entendu, loin de moi cette volonté, vont être entre guillemets facilitées dans leur développement. Il y a aussi un certain nombre d'injections contradictoires. Ce que nous attendons en tant qu'élus locaux et élus locaux, eh bien, c'est d'avoir de la souplesse. On ne remet pas en question, je pense que personne ou quasi personne ne remet en question l'objectif global. C'est simplement d'avoir de l'agilité dans l'application de cette nouvelle réglementation. Et par exemple, pourquoi pas repousser le curseur du début des 10 ans de consommation d'ENAF, des espaces naturels agricoles et forestiers. Pourquoi ne pas le repousser à 2023 ou 2024 et pas 2021? Un exemple, dans mon pays, dont je préside le pays du Houdou, j'ai une des 5 intercommunalités qui a déjà consommé 95% de son potentiel pour les 15 ans à venir. Comment voulez-vous imaginer son développement? Voilà quelques éléments, quelques réflexions sur une volonté de participer à cet effort collectif, mais de nous donner un peu plus de souplesse, d'agilité pour mettre en œuvre ces directives. Merci. Bon, deux questions directes, concrètes, et la réponse de Christophe Béchu. Je vais commencer par le ZAN. C'est très exactement la souplesse, pour le coup, qu'ont voulu les législateurs. Le point de départ de cette mesure, c'est la Convention citoyenne pour le climat. Ça faisait partie des fameuses 150 propositions qui avaient été mises sur la table. Et la proposition qui avait été faite, c'est de dire tout le monde, je cherchais le maire de Pontarlier, tout le monde fait moins 50%. Les députés et les sénateurs ont dit c'est pas juste. Si tout le monde fait moins 50%, ça veut dire que celui qui a beaucoup consommé, il aura plus de droits que celui qui a déjà été sobre. C'est pas juste parce qu'il y a des territoires qui perdent de la population qui vont peut-être se retrouver avec plus de droits à construire que des territoires qui en gagnent. Donc il faut qu'on territorialise le dispositif. Et c'est là où le consensus s'est fait sur le fait de considérer que ça allait devenir un élément qui allait s'intégrer dans les SRADET. Et là, on a vu une deuxième ligne de front, avec des gens qui nous ont dit, bah oui, mais si vous confiez ça aux régions, nous, notre commune, elle est petite, on ne va pas la voir, on n'est pas dans le bon territoire. Il y a des présidents de région, pas présents sur ce plateau, mais qui ont dit que ça leur semblait tellement compliqué que s'il n'y avait pas plus de souplesse, ils feraient moins 50% pour tout le monde plutôt que d'avoir à assumer l'impopularité de territorialiser. C'est dire la légère complexité avec laquelle on navigue au milieu de tout ça. Le principe, il est très exactement ce que vous attendez. Ajouter de la souplesse, tenir compte aussi de ce que Région de France nous dit en disant qu'il faut laisser un peu plus de temps au dialogue, y compris pour être capable de l'expliquer et de pouvoir le partager avec nos différents territoires. C'est vraiment à la fois l'état d'esprit dans lequel nous sommes depuis le début et la nature du sujet sur lequel je travaille avec mes équipes en lien étroit et avec Région de France et les maires de France, et avec la représentation nationale, parce qu'il faudra des bougies législatives qui nécessiteront qu'on ait la majorité pour accepter ces points d'évolution d'un texte qui n'a pas 2 ans. Alors, on entendra Carole Delga sur ce point, mais sur la première série de questions très concrètes. Alors, sur la rénovation des bâtiments. On a des dispositifs qui vont jusqu'en 2023, ça ne veut pas dire qu'ils s'arrêtent, ça veut dire qu'on a bien conscience que le moment de les réinterroger, de se demander si on en a pour notre argent en termes de rénovation énergétique se pose. Un, on a d'abord un gros trou dans la raquette, c'est les copros. Ce n'est pas forcément le cas pour toutes les communes de ce pays, mais quand vous pensez qu'on n'a que 10 000 copropriétés concernées sur 700 000 logements qui ont bénéficié d'un geste de rénovation, et là le problème il n'est pas budgétaire, c'est l'obligation de la majorité de tous les propriétaires présents au moment de l'Assemblée Générale pour être capable d'aller voter le principe de la rénovation. Or on a des gisements qui sont considérables, et on a même des gens qui ont des passoires thermiques qui ne pourront pas sortir de la passoire thermique s'il n'y a pas des travaux à l'échelle de tout le bâtiment. Donc on a un enjeu dans l'enjeu. Ensuite, il y a les questions précises qui ont été posées sur la qualification, en particulier sur le RGE, sur le niveau des financements, sur les prix planchers, etc. Deux réflexions.
700 000 logements, c'est bien, mais c'est sans doute pas la bonne manière de compter. Si je veux compter mon impact en termes de rénovation, le calcul, il est très facile à faire. Il y a 30 millions de résidences dans ce pays. Il y en a 20 millions qui sont classés D, E, F ou G. Il faut qu'on les ait finis pour 2050. Quand je divise 30 ans par, quand je divise 20 millions par 30 ans, j'arrive à 700 000 rénovations par an. La seule chose, c'est que c'est pas pareil d'aller rénover les passoires thermiques ou d'aller rénover avec du monogeste, d'aller ajouter de la laine de verre uniquement pour aller faire l'isolation des combles. Donc, il faut qu'on monte en gamme. Et là, ça n'est pas qu'un sujet de pouvoir public. C'est aussi le sujet de la formation des artisans, du nombre de ceux qui sont disponibles. C'est la simplicité du dispositif sur lequel on a quelques portes d'entrée. Et c'est l'incitation pour que ça vise de manière effective les passoires énergétiques. Et puis, on a un deuxième sujet. Tous. C'est que quand on additionne l'État et les collectivités locales, on a 400 millions de mètres carrés de bâtiments publics. Et il n'y a pas de MaPrimeRénov pour une mairie. Il n'y a pas de MaPrimeRénov pour l'école de la commune qui, pourtant, est à la fois un lieu de formation dans lequel on sait que quand il commence à faire chaud, si on n'a pas un minimum de travaux, ça sera compliqué d'aller donner des cours et qu'en plein hiver, si on est sur les 19 degrés et que ce n'est pas chauffé, on chauffe dehors. L'enjeu pour nous, dans la continuité de ce que le président de la République a annoncé vendredi à la Fédération française des bâtiments, qu'il souhaitait que le gouvernement travaille à un plan de rénovation des écoles, ça va être de changer notre manière de faire et de pousser le tiers financement. De s'autoriser à bouger le code de la commande publique pour qu'on puisse débudgétiser des travaux de rénovation. Dit comme ça, ça peut sembler un peu technique. Mais le fond de l'affaire, c'est le suivant. Il y a une urgence climatique qui fait que sur les sujets qui font consensus d'un point de vue scientifique, d'un point de vue budgétaire, et sur lequel, en faisant tout de suite des travaux, on gagne de l'argent et en plus, on est efficace d'un point de vue climatique, il faut qu'on bouge les règles pour sortir de nos dépenses et de nos ratios les travaux de rénovation. On va avoir l'occasion de l'expliquer plus en détail dans les prochaines semaines. Merci Christophe Béchu. Carole Delga, le rôle de la région dans cette planification et par rapport au fait qu'on évoquait à l'instant. On l'entend clairement, il faut accompagner pour atteindre nos objectifs de lutte contre le changement climatique. Alors accompagner, j'entends Monsieur le Ministre, le dispositif de formation des élus et particulièrement des maires. Mais déjà, appuyez-vous sur les associations départementales des maires qui font beaucoup de formations ou sur des agences départementales. Quand j'entends qu'on va faire des formations dans les préfectures ou dans les sous-préfectures, non, enfin, je suis désolée, on a des opérateurs de formation dans les départements. Utilisons-les, on n'invente pas un nouveau dispositif. Et la présidente des maires du Loir-et-Cher approuve. Hein. Oui, non, mais moi je connais la France, le dispositif, comment ça fonctionne. Soit ce sont des agences départementales pilotées par les départements, soit ce sont des associations de maires qui font cela. Utilisons, et vous avez raison, l'objectif de former, d'expliquer, de pouvoir adapter, parce que l'action n'est pas la même quand on est une zone de montagne ou quand on est dans un territoire inondable. Et donc, il faut avoir ce sur-mesure qui est absolument indispensable. Sur la question de la rénovation énergétique, les moyens mis en place par le gouvernement sont significatifs en termes financiers. Aujourd'hui, il faut être clair, pour nos concitoyens, c'est un parcours encore aujourd'hui de combattants, même si des améliorations ont été menées. Et là, il faut s'appuyer sur les communes et sur les intercommunalités, et c'est la présidente de Région de France qui le dit, pour amener l'information au plus près de nos concitoyens. Et il faut, par exemple, les régions, nous mettons en place des dispositifs d'avance, même pour les subventions des travaux. Parce que quand on est un ménage modeste, même de faire l'avance des subventions, eh bien, comme on dit chez moi en Comminges, on n'a pas les sous. On ne les a pas, les sous. Parce qu'avec l'inflation, avec le pouvoir d'achat qui se délite, il faut qu'il y ait des dispositifs. Et là, les régions, nous avons la puissance financière pour le faire, en nous appuyant sur les communes et les intercommunalités. Et là, on fait du sur-mesure et on permet la massification de la rénovation énergétique. Et puis, il y a un autre dispositif sur la question de l'accompagnement. On est d'accord tous ensemble, de stopper l'hypermétropolisation et d'avoir un rééquilibrage des territoires. Cela veut dire qu'il faut renaturer sur des territoires qui ont beaucoup bâti, et on a de nombre dans nos métropoles, dans nos agglomérations,
On a de nombreuses friches industrielles, friches commerciales, et là, il faut renaturer. Il faut développer l'habitat vertical. Et il faut avoir aussi là, le courage politique, toutes et tous, de savoir défendre l'habitat vertical si on ne veut pas consommer les terres agricoles. Et si on veut permettre l'implantation des populations en milieu rural, parce qu'il y a une aspiration sociétale depuis le confinement d'habiter dans nos territoires ruraux. Moi, je ça, on vois en bien. Parlera demain, débat spécial. Oui, tout à fait, mais là, clairement, sur ce sujet, il y a une envie d'avoir plus d'espace, de vivre dans des territoires ruraux, de vivre dans des villes moyennes, dans des villages d'équilibre. Eh bien, ce qu'il faut, c'est permettre d'avoir des entreprises qui s'implantent, c'est-à-dire que là, il doit y avoir des droits à construire dans ces territoires qui, ces 20 dernières années, ont perdu de la population. Et ces droits à construire, ils doivent être assumés par celles et ceux qui ont trop construit, hein, c'est-à-dire certaines métropoles. Et puis également, il faut favoriser l'installation de nos agriculteurs, parce que nous avons besoin d'une souveraineté énergétique, mais d'une souveraineté alimentaire. Et là, les régions aussi, nous portons des foncières agricoles, parce qu'il y a de plus en plus de gens qui veulent s'installer comme agriculteurs, mais qui n'ont pas le capital familial. Et nourrir des nos terres, territoires, c'est quelque chose de très essentiel. Important. Et là, les régions peuvent acheter des terres agricoles, les mettre à disposition pendant plusieurs années des agriculteurs. Et quand l'agriculteur a trouvé un modèle économique, il rachète aux régions pour permettre en effet d'avoir une souveraineté alimentaire. Merci Carole Delga, merci Madame la Présidente de Région de France, merci Monsieur le Ministre, merci à Guy Geoffroy et à Catherine L'Héritier qui participaient à cette première séquence de débat. On va passer à un autre temps de débat. Jean-Marc Jancovici, vous restez avec nous et je reste bien sûr avec mes coprésidents et on va inviter les intervenants de la seconde séquence de débat à nous rejoindre. On peut applaudir ceux qui nous quittent.